Le projet Ensemble pour Colin est né malheureusement d'une violence parentale faite à un bébé de 4 mois. Colin est victime du syndrome du bébé secoué, perte de la vue, de la parole, de la motricité et incapacité d'assurer ses besoins de base. Francine Vallière, grand-maman, soucieuse d'aider son petit-fils et sa fille, a mobilisé une trentaine d'entrepreneurs, organismes et bénévoles afin de procurer à Colin et sa famille une maison adaptée. Ce projet assure à Colin son maintien à domicile, améliore la qualité de vie de sa maman Linda et permet à toute la famille d'avoir un milieu sain. Le projet Ensemble pour Colin, c'est aussi un projet qui vise à sensibiliser les parents à demander de l'aide afin qu'un tel drame ne se produise plus.